Et yop les gens, c'est Mythique 3000, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en compagnie de LMFAO. Salut. Bon alors là c'est on est sur One Fight, donc j'avais déjà essayé de commencer à faire un let's play, mais là on est vraiment. Le problème c'est qu'on s'est fait piller, et après je m'en fous qu'on soit fait piller, après ça fait partie du jeu. Mais le problème c'est qu'on n'était pas assez avancé pour la suite, parce qu'on avait juste. Enfin au moment où j'avais filmé, on avait juste fait une petite farm à faire de merde. Donc là on a essayé de faire une base avec une muraille de ouf, mais ils ont réussi à nous la niquer. Enfin ah, ouais, après je vous la montrerai. Donc là on essaye de. Enfin là on est parti plutôt sur le home perso in claim dans la nature. Donc le design n'est pas de moi. Enfin la déco. Elle est d'un mec de Holycube que j'ai repris sa déco. Après je sais pas si vous suivez vraiment Holycube. Mais donc je sais plus qui c'est, mais donc là vous pouvez recopier si vous voulez, moi je m'en fous, c'est pas la mienne. Donc je vais vous montrer rapidement les stuffs. À mon avis ça suivra d'un. Il ajoute une séquence PVP. Slash kit. N'a pas grand-chose, hein. En fait on s'est fait piller, donc on a pratiquement tout perdu On sauf les s'est fait P4. piller tout sauf les P4 et les gold sheets. Ouais, donc non c'est pas là. P4, c'est... Non, c'est là. Ouais, c'est parce qu'on a farmé là on a farmé, donc on a plus beaucoup de stuff, donc en P4 on a ça, donc on est plutôt à l'aise, hein. Hop, là donc là Les c'est gold que sheets, c'est là-bas. là c'est que du P4, là c'est du P4 du Breaking 3. Hop, les épées, putain. C'est bon, on est à l'aise sur les épées. Attends, viens voir aussi après, on a les pump cheats là. Hop, là c'est du stuff un peu de merde, mais ça c'est pour les enchantes du Pump Breaking cheat, on 3. en a presque 3 stacks. Hop, donc après on reprend vraiment, hein. Donc je compte vraiment faire un let's play de zéro, donc le reprendre de zéro, donc pump sheet, sachant que sur serveur on peut pas stacker, enfin par exemple là c'est Golden Apple avec celle du kit PvP, tu peux pas. Donc là ça fait à peu près de stacker Presque 30. 3 stacks, ça fait. Deux, ça fait genre un stack, deux stacks, deux stacks et 13. Ok, donc là c'était pour la présentation du home, donc je vais montrer la fac. Donc il y a moi, donc là j'utilise le compte de dame si vous jouez à Soulof, parce que à mon avis la plus grande partie de mes abonnés c'est des personnes de Soulof. C'est pas parce que, enfin en fait c'est parce que je squattais son compte premium et qu'on a commencé le serveur et que j'ai acheté tous les kits sur son compte, donc c'est une 63 000 dessus. Hein. Donc Duff, LMFO 56 qui a également changé, Dark Warrior, RG42 et Hawkins 34. Alors, je vais vous montrer donc les homes. Alors le home, celui-là, je sais pas où Bah, c'est. il y a la femme, bah non, il n'y a plus. Là, je vous l'ai montré, mais on s'est fait piller, donc. Alors ça, c'était la base, celle d'avant. Donc là, vous pouvez voir qu'elle fait plus d'un claim, c'est parce qu'on a vraiment voulu faire une muraille de ouf. Mais donc là, vous pouvez voir leur canon à TNT. Je sais pas comment ils ont fait. J'ai rebouché, mais en fait, là, il y a une couche d'eau psy. Enfin, celle-là. Il y a une Mais ils ont couche. juste bug. Il y a une couche d'eau. Ouais, mais je C'est vois pas que. sûr. Il y a une couche d'eau, une couche d'eau psy, une couche d'eau, et encore une couche d'eau psy. Donc, je vois vraiment pas comment ils ont fait. Après, pour moi, ils cheataient, hein. Après, voilà. Mais normalement, la muraille est vraiment trop compliquée à péter. Donc là, c'était la farm à faire. J'avais commencé à la full opsy, mais j'avais pas non plus énormément d'opsy. Là, on économisera avant de commencer des trucs, hein. Ouais, t'as fait gaffe au res minimap. T'inquiète pas. Yeah. Donc, là, vous pouvez voir. Tiens, d'ailleurs, il y a la lave, ça faudra qu'on la récupère. Attends, je me tais pas à toi. Oh, c'est bon, il y a des coffres, ça c'est cool. Slash TP, yes. Alors ensuite, Mais ouais, slash voilà, home. c'est fini. Je vais vous montrer, en plus j'avais fait une déco sympa à l'intérieur. Mais les mecs, ils nous ont pillé, donc après c'est le jeu, mais je vois vraiment pas encore une fois comment ils nous ont pillé. Mais je crois qu'ils ont eu ce Oh bug. putain, t'as pété les trucs, donc vous pouvez voir, c'est vraiment niqué ces coffres là. Ils étaient pétables, ça je suis d'accord, mais. De toute façon, les P4 ils les ont pas eu parce qu'on a fait des coffres ultra sécurisés. Hop. Bon, ils ont un peu tout niqué. Donc c'était genre. C'était là. T'avais des coffres ici et on a tout vidé parce qu'ils nous ont. Enfin voilà. Ah, GG. mais je sais où ils sont rentrés, mec. Comment? Tais-toi. Là je t'ai pu. Ah mais c'est bon, je sais. Je t'ai dit, c'est. Eh mais non, ils auraient pu rentrer même. C'était mal film. Avec les œufs de creep, regarde. Les bugs. C'est par ici qu'ils sont les bugs?
Moi, je te montre comment tu débugs ça. Tu jettes une underperle, tu jettes toutes les 20 secondes. Tu jettes une underperle, tu viens PK, tu jettes une underperle, t'attends 20 secondes, tu la rejettes. T'attends 20 secondes, tu la rejettes, et c'est bon, t'es dedans. Bah au pire on foutra toutes les P4 là-dedans, non? Non, les piquettes, on les laisse dans le perso, Ouais mec. Le mais... perso, si on full bah, le technique, Ouais tu mais vois, le mais perso... personne ne le Ouais mais trouvera. sachant que l'un perso une claim, si on le trouve c'est quand même la mort. Enfin c'est quand même vraiment, vraiment Mec, mort. on a les kits à vie, on s'en refait quand on veut. Ouais mais les P4 c'est casse-couilles. Alors que C'est casse-couille, là ils ont un pas peu. réussi à nous les avoir et Mec, je que... demanderai à Pierre pour. Enfin, je te dirai tout à l'heure. Non mais parce que là t'as vu enfin la base en plus on a galéré à la faire elle est assez Avec grande. notre perso sera introuvable avec la technique, mec. Hein. J'étais chaud sur Poulpi Faction, on l'a jamais trouvé alors que t'avais une commande. Puis c'est là que je te pose le nom de la personne, t'avais les coordonnées où était la personne, donc, et je me suis jamais fait piller. Ok bon alors donc là je vous montre l'ensemble de mes homes donc on a aussi trouvé un biome Mesa. Ouais. C'est pas mal pour la déco donc sachant que c'est un biome quand même assez rare. Par contre, faut aller sur. Ouais, c'est un biome rare le biome, mais ça non. Ouais, bah aussi rare que le biome champi, même plus. Je sais pas, mais c'est trop stylé, c'est le meilleur biome pour moi. En plus, le sable, il est trop stylé. Donc là, on était juste sur une espèce de plage. Donc, hop, c'est quand même assez grand celui-là. Il est vraiment, vraiment joli. Pour les décos, ça peut être vraiment utile. D'ailleurs, ça m'a permis d'utiliser. Enfin, j'ai utilisé celui-là pour enfin la white clay pour faire bah, pour faire une de mes décos. Putain, par contre, c'est vraiment stylé. Slash home new base. Donc voilà. Je pense que ça suivra d'une séquence PVP. Sur ouais. Ouais, donc pour la prochaine fois, enfin à mon avis pour le prochain épisode, je peux. Slash je peux. Ben, à mon avis, on va agrandir le home perso, le mettre vraiment plus sécurisé, et voilà. Donc, ben, je vous dis, enfin, je fais une ellipse et ben, je vous reprends le truc. Donc, je mettrai certainement de la musique ou. Voilà. Donc, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ça suit une séquence PVP d'un pillage. Allez, ciao les gens. On Allez, a plein de séquences PVP là? dis au revoir. Quoi? Dis au revoir. Ouais, au revoir. Ouais, ciao les gens.